Je vais le faire en tas. Il n'est pas l'homme quoi. C'est peut-être devenu fou, sa mentalité est bête. 100 milliards. Si elle refusait ça, il va me maudire dans ma rame. Il va me saouler. Qui s'est arrêté à coucher avec vous? Je préfère demander d'être mendiante. Vous voyez, d'aller coucher avec elle. Mendiante. Ils ne vont pas écrire sur mon visa qu'il est couché à une folle. Mais tout, c'est tout. Coucou la famille, comment allez-vous? Je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi encore. Nous allons aborder un sujet très spécial, on peut dire un sujet un peu drôle, voilà, juste pour changer un peu la rame de loupi quoi. Voilà, le sujet est très simple. Pour 100 milliards, peux-tu accepter de coucher avec un fou pour les femmes et pour une folle pour les hommes? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, liker, commenter, partager aussi nos vidéos via les réseaux sociaux. Abonnez-vous en activant la cloche de notification, voilà. Et laissez des propositions de sujets autant pour moi. De commenter aussi afin qu'on sache si vous avez aimé la vidéo ou pas. Je sais que ça sera un sujet qui va faire fort. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui. Je vais très bien, merci. Pour 100 milliards, peux-tu accepter de coucher avec un fou? A dit en cachette, hein. Pour 100 milliards, est-ce que je peux coucher avec un fou? En cachette, hein. Avec un préservatif, mais sans préservatif. Avec préservatif. Je vais le faire en tas. Aïe. En tas. Pourquoi t'as le fait en tas? 100 millions, bébé. C'est 100 milliards, milliards. 100 milliards. Hein, c'est pas 100 millions, hein. Attends, faut redire encore. 100 milliards. Ah, après, t'as 10 les milliards. 100 milliards. Aïe. C'est pas millions, hein. 100 millions, hein. En cachette. Aïe, en cachette, les gens vont pas savoir. Enfin. C'est un fou. Aïe. Vous m'avez dit folle aussi. Dans les dedans. Mais lui, il a dit folle, c'est que lui, c'est promène dans la rue. Ah, mais c'est bon. Moi, mais c'est dans la rue. C'est pas dans la rue, on s'est connu. Effectivement. C'est que c'est dans la rue, on avance, ça. Ça, c'est la gbaye. C'est dans la rue, on s'est connu, donc c'est dans la rue, on avance, ça. Ce qui est juste, avec les sommes, là, tu peux te réaliser, faire les hauts. J'ai fait les mouvements pour sous les. Tchao même. Et puis ça va prendre. À nous, ça. D'accord, bébé. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Ça va très bien. D'abord, pour 100 milliards, peux-tu accepter de sortir, de coucher avec un fou? De mon point de vue, non, je ne peux pas accepter parce que le fou peut avoir des maladies, quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas accepter, en fait. Il peut aller avec ses 100 milliards. Je ne peux pas. Non, quelqu'un d'autre te propose, mais lui veut que tu couches avec le fou. Il veut que moi, je couche avec le fou. Et puis, cette proposition-là, ça vient au moment où tu es vraiment piqué. Même ton gars, même actuellement, l'âme, elle n'est pas propre pour t'aider. En tout cas, si ça vient du coup, moi aussi piqué là, je vais le faire. Mon tu as piqué, mais elle capote, genre elle pose des bâtis. Il a le fait, il n'est pas l'homme quoi. C'est bien devenu fou, sa mentalité est bête. Sinon, en bas là, c'est l'homme. Sinon, c'est l'homme, mais il a fait les ouais. 100 milliards quoi. Aïe. 100 milliards quoi. Et puis après, aïe. Et puis après ça là, tu te réalises. On est avoir de problème quoi. Aïe. Elle veut même pas savoir même qui tu as fait l'eau. Elle veut savoir, oui. Ah, elle pose des bâtis quoi. C'est fou, ou bien. Tu sais que les gens vont te supplier, non? Comme tu sais, ou bien. C'est là qui fait 100 milliards. 100 milliards, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est même pas 100 000, mais 100 100 milliards. 100 milliards. Si elle refusait ça, il va me maudire dans ma vie. C'est ça même. Tu saches. D'accord, bébé. Bonjour à toi. Merci à toi, bébé. Bonjour, la Ronson. Bonjour. Comment tu vas? Bien. D'accord, pour 100 milliards, peux-tu accepter de coucher avec un fou? Cette proposition-là t'est donnée lorsque tu seras dans les moments difficiles. Est-ce que tu vas accepter? Oui. Tu vas accepter? Oui. Pourquoi tu vas accepter? Bon, parce que je suis dans le besoin. Tu fais pas ça devant les gens, tu fais ça en cachette. Oui, oui, il va faire. Mais le faux va te paraître bizarre par là. Il va frapper mon cœur. Pour ton cœur. Mais tu vas prendre quoi pour fermer tes yeux? Puis le rire, comment pour faire? Hein, c'est bizarre. Hein? Il va me saouler. Ah, t'es saoulé. Tu vas prendre quoi? Vaudi. Mais quoi? D'esprit. Go fort. Au moins 5 bouteilles quoi. Mais sous les tu fermes ça passe, tu vois rien dedans. Rien même. Ça fait 100 000 et puis tu prends pour faire quoi? Réaliser. Pour réaliser, oui. Merci, bonne journée. Okay. Bonjour, la Ronson. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Voilà, il y a un sujet très spécial. Il y a dit, si une proposition vient à un moment où tu es vraiment piqué, on te dit de coucher avec un fou pour 100 milliards, quelle sera ta réaction? Tu es piqué, on ne ment pas. Et tu as piqué. Tu fais dans le secret, personne va te dire, est-ce que tu as accepté ou tu as refusé? À l'aise, mais 100 millions à l'aise pour les enfants. Aïe! Tu dis que ça, je te réalise même en temps même. Tu en as tes parents dans la pauvreté. Qui c'est que tu as accouché avec vous? Effectivement. Nous allons accepter, non? Parce que actuellement, les temps sont durs. Ou bien? Les temps sont durs. Les temps sont durs même. En tout cas,
D'accord, pas de souci. Merci, bonne journée. Ah, okay. Bonjour à bien-aimé. Bonjour. Voilà, bon travail. Merci. Tu traces bien. Merci beaucoup. La question est très simple. Yedjo, à un moment où tu es vraiment piqué, il y a des que tu manques d'argent même. Tu te demandes à gauche, mais c'est compliqué. Personne ne te répond. Et puis on te propose de coucher avec un fou, 100 000. Vas-tu accepter? Je manque d'argent, je suis piqué. T'es vraiment piqué. Cette proposition même vient au moment où t'as, mais c'est chaud sur toi. Et puis on te propose de coucher avec un fou pour 100 000. Est-ce que tu vas accepter? Un fou, genre en cachette, quoi. Je ne peux jamais accepter. Jamais accepter. Oui. Ah, pourquoi le jamais? Hein? Moi, il dit jamais. Je sais que Dieu qui est là, il n'y a pas jamais ses enfants. Si, même si je suis piqué comme un homme, je ne peux pas me cacher pour aller sortir avec un fou. C'est possible. Je préfère demander d'être mendiante, oui, d'aller coucher avec elle. Mendiante. Mais là, tout le monde te voit. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ton honneur qui est bafoué, ton honneur. Non, mais c'est pas grave. C'est mieux que d'aller coucher avec un fou. Ma conscience va me gronder après. Je vais coucher avec un fou. Après, je vais réfléchir. Je sais que ce que je fais, c'est pas normal. À cause d'argent, je préfère demander. Tu demandes, c'est mieux. Parce que quand tu demandes, Dieu sait que tu n'as pas. C'est pour cela que tu demandes. Mais tu t'en couches avec un fou, c'est pas normal. Je ne peux pas le faire. Papa, merci, maman. Bonne journée. Ah, merci, monsieur. On dit quoi? Ça va très bien. Bien, bien. Très bien. Parce que tu es en tas dans le bar. Hein? Oui, je suis en tas. On a besoin de ça pour avancer. C'est tout pour draguer les mousseaux. Ou bien. Les mousseaux, c'est ça. D'accord, pas de souci. La question est la suivante. Okay. Pour 100 millions, peux-tu coucher, accepter de coucher avec une folle? 100 millions. Pourquoi? Une folle. 100 millions, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. On a besoin de 400, 500 millions à 1 milliard pour avancer dans la vie. Si c'est 1 milliard, tu as accepté les faits. Je vais accepter. Si c'est 1 milliard, tu as accepté les faits. Je vais accepter. Et moi, il y a besoin de ça même pour avancer. Ah. C'est l'argent. Non, du folle, vieux père. Du folle. Mais si c'est 100 millions, c'est rien. Ils ne vont pas écrire sur mon visa qu'il y a couché une folle. Et c'est le où elle sera doux comme femme normale. Tout c'est quoi tout, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Donc c'est ça la vie. D'accord vieux père. Donc on avance, on fait et puis on avance. C'est pas écrit sur le front. Non, c'est pas écrit sur le front. D'accord, pas le c'est quoi tout, c'est quoi tout. D'accord, pas le souci. C'est quoi tout, c'est quoi tout. D'accord, on avance. Tout. D'accord, donc merci, bonne soirée. À pas. Bonjour Jamé. Bonjour à vous. Ça va bien, ça va. Ouais, ça bouge. D'accord. Pour 100 milliards, peux-tu accepter de coucher avec un 100 milliards? Avec un fou. Ça vient au moment où tu es piqué, l'offre vient au moment où tu es piqué. Est-ce que tu as accepté? 100 milliards. Bon, en tout cas, à part moi, je ne peux pas faire ça. Quoi. Et d'abord, il me débrouille déjà. Peut-être que c'est sacrifice, moi, je me mets dedans. Je ne sais pas aller le giga, tu vois le giga. Je ne sais pas aller ça. Quoi. Pas je ne peux jamais sortir lui. Ouais. Jamais. Je ne peux jamais sortir lui. 100 milliards là. Non, il ne peut pas. Il n'a qu'à garder ses milliards, si c'est un fou. D'accord, pas. Ok. D'accord, merci. Merci à vous. Bonjour, maman, comment tu vas? Très bien. D'accord, voilà, la question est très simple. Pour 100 milliards, peux-tu accepter d'avoir des rapports avec un fou en cachette? Non. Ça dit que cette proposition-là, on te propose cela lorsque tu es vraiment piqué, tu es vraiment serré. Et puis on te dit, ah, après ça, là, donc vraiment, avec ça, tu pourras te réaliser. Peut-être, tu es en train de tresser, non? Fais un magasin sur toi, sur la propriétaire, tout ça. Le propriétaire, autant pour moi. Est-ce que tu vas accepter? Non, non, je ne peux jamais accepter. Pourquoi tu ne peux pas accepter? Parce que j'ai les 10 doigts. J'ai les 2 pieds. Je peux chercher à faire quelque chose. Ou bien, si je n'ai pas les moyens, je préfère aller travailler chez quelqu'un d'autre, essuyer sa maison, occuper d'un enfant. Je préfère ça. Tout ça aussi, là, c'est avec les risques. Hein? Les risques de l'humiliation, travailler chez quelqu'un. C'est que je préfère vendre des galettes. Des galettes. Ah, c'est galettes, c'est mon moment. D'accord, on comprend que vous n'allez pas accepter en tout cas, parce que pour vous, trouvez que c'est quoi? C'est quoi? Pardon? Vous trouvez que c'est quoi en fait? Le fait, celle qui accepte ça. Parce que je peux mourir de ça, de chagrin. À chaque fois, je peux penser à ça. Mais avec 100 milliards, tu peux mourir, tu peux te soigner. Non, je peux mourir, mais je vais avoir le regret. Je peux avoir le regret. Merci, maman, bonne soirée. Tata, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. 100 milliards, vas-tu accepter de se coucher avec un fou? Non. 100 milliards. Ça veut dire que cette proposition-là, t'es faite au moment où toi-même là, c'est chaud même. C'est chaud même chez toi. Même un garçon ne pas t'aider, tu comptes si un garçon même, tu balances ta gauche, tu balances à toi. T'as pas accepté? Non, il ne faut pas accepter. Pas accepter? Non. Pourquoi tu ne pas accepter? Il ne veut pas accepter. Oui, c'est un fou.
Oui, bon, pas parce que c'est un fou, mais en tant qu'une femme, je ne connais pas une personne comme ça. Bon, pour moi, une femme qui ne connaît pas Jésus, hein, moi, je connais Jésus, donc il ne veut pas accepter ça. Ça, tu peux faire tes débrouilles doucement. Ah, bah, je préfère me débrouiller, même si c'est chaud, je préfère venir au marché. Sinon, voici mes marchandises, je peux m'asseoir là-bas pour dire trucs. Mais je suis venue sur le soleil. Pour éviter tout ça. Merci et bonne continuation. Merci. Bonjour. Et genre pour 100 milliards, peux-tu accepter de coucher avec comment on appelle ça, une folle? Pour combien de milliards? 100 milliards. Ça dit que tu n'as rien au moment là. C'est que toi, c'est toi, t'es garçon. Personne ne peut t'aider bien. Comment tu es debout? Cette proposition là. On vient avec cette proposition. Est-ce que tu vas refuser? Ouais, je vais refuser. Non, c'est pas devant tout le monde. T'as refusé. Je vais refuser. Pourquoi t'as refusé? Parce que du moment où c'est une folle, à quoi ça sert d'aller sortir avec elle? Je vais refuser, carrément je refuse. Oui. Et si à ce moment-là, t'as ta petite mousseuse dans ton tennis, tu n'as rien même. Tu risques, elle, de te quitter. Hein? Tu dis bien, pour ce risque-là. Tu dis bien, et si? Tu as précisé, et si? Non, si tu n'as pas, t'as dit qu'il dit que c'est une occasion. C'est cette situation-là. Ça vient au moment où toi, mais chez toi, mais c'est chaud. Quelle sera ta réaction? On sait quand c'est chaud là, on sait, on connaît. Mais quand c'est chaud là, c'est l'homme qui débloque la situation. Tu vas voir une autre personne pour débloquer. Forcé. Quelqu'un va t'aider à l'heure là où c'est chaud, sur la personne va t'aider. Si c'est chaud, comment il sait comment il a débloqué la situation. Il est un garçon. Mais tu ne peux pas coucher avec garçon. Tu ne peux pas coucher avec femme. Il ne peut pas coucher avec femme. Elle est folle. Oui, il ne peut pas coucher avec folle. Je ne peux pas faire ça. T'as encore pas de soucis. Merci, bonsoir. Ok. Eh bien, nous sommes au terme de notre émission. Que dis-je encore? On était très ravis d'être en votre compagnie, surtout en compagnie de la population de Yopougon. On sera très ravis de recueillir vos impressions concernant ce sujet. Vous, les internautes, on s'est dit à bientôt. Profitez-en, c'est le week-end. Hein. Profitez parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Profitez de votre famille et autres. Pardonnez aussi parce que le pardon est divin et c'est très important. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. We'll be right back.